C'est pour ça que vous étiez pas au stade. Vous pouvez pas en parler autant que les gens qui étaient là-bas. C'est-à-dire qu'on a vu l'enchaînement. C'est-à-dire qu'on a vu les gilets. Daniel était au stade, hein, Charlie. Depuis le début. Pardon? Juste, Daniel était au stade hier. Ah, il était au stade. D'accord. Bon, il devait boire des coupes de champagne. Moi, dans tous les cas, j'étais dans le stade et je matais le match parce que mon fils, il est en plus là-bas licencié. Voilà. Donc, on va. J'espère néanmoins que tu plaisantes quand Monsieur tu dis ça. Payet, hein, j'espère que tu plaisantes quand tu dis ça. À vous, non, j'en sais rien. J'ai pas trop envie de plaisanter là parce que. Ah bah si t'as pas envie de plaisanter, ne dis pas de conneries alors s'il te plaît. Si t'as pas envie de plaisanter, tu dis pas de conneries parce que moi je suis là-bas pour travailler. Je suis pas là-bas pour boire des coupes de champagne. Donc, déjà, tu dis pas n'importe quoi déjà. Après ça dépend des métiers, mais moi quand je travaille. Oui bah d'accord, mais moi quand je vais là-bas, je suis en tribune pour travailler, je regarde le match. Descends-toi. Donc soit tu dis je plaisante, mais tu dis pas tu plaisantes pas. Tu dis pas tu plaisantes pas dans ce cas-là. Parce que t'as l'antenne tout le temps. Non mais écoute, déjà tu viens pas à l'antenne pour m'insulter déjà. Il m'insulte. À partir du moment où il dit que je vais boire des coupes de champagne et que je fais pas mon métier, il m'insulte. On sait, Daniel. C'est la même chose, voilà. Bon, Daniel. Donc le mec, il vient pas pour faire le mariole et faire le guignol. Non, mais c'est une victime, monsieur Riolo. Non, je suis pas victime du tout. D'accord, je peux m'exprimer juste pour remettre les choses dans le contexte parce que c'est quand même important, en fait. C'est-à-dire qu'on voyait des tribunes. Exactement. En fait, on voyait le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose. C'était tendu. On voyait les bouteilles aller sur le terrain. C'est un fait. C'est n'importe quoi. Il y a des idiots dans les tribunes. Ça, on le sait. Hein, c'est pas nouveau. Mais Monsieur Payet, il a quand même l'habitude. C'est un professionnel. Ça faisait combien de fois qu'il essayait de tirer des corners, il n'arrivait pas à cause des bouteilles. Il se recule. Il va voir Monsieur Bastien. Je crois que c'était ce monsieur. Et il ne tire pas le corner. Point. Il va, il prend la bouteille et il la jette. Mais vous voyez la violence du jet. Et à ce moment-là, tout le monde dans la tribune, à Ségura, hein, donc de l'autre côté de ça, on s'est dit que ça va partir en vrille. En fait, c'est ce geste-là, il ne faut pas le minimiser. C'est ce geste-là, c'est ce geste-là qui fait vriller tout le monde. Le stade a été envahi, ça c'est pas normal. Il n'y a pas assez de sécurité, on le sait. Monsieur Rivière, faut qu'il prenne ses responsabilités. On sait tout ça. Tout ce que moi je vous dis, c'est qu'il y aurait pu avoir des morts. Ça aurait pu être beaucoup.